Salut les amis, c'est Baba Bear. Tu veux triper? Regarde, ça c'est un chou romanesco à la base. Hein, tout le monde connaît le chou romanesco qui fait les spirales. Et là, quand tu le laisses monter en fleurs et en graines, regarde ce que ça fait. La masse, le mycélium. Ça fait exactement comme le mycélium, le champignon qui... Donc voilà en fait comment le vivant se fait. C'est un corps, ça c'est un pattern, ce qu'on appelle en permaculture. C'est comme ça que le vivant fait. Regarde juste au-dessus, c'est la même chose. Tu vois comment tout... c'est tout le temps la même chose, que ce soit ça dans le sol, dans les racines, que le champignon, la vie, la pensée, toutes ces choses-là, ça c'est le pattern de la vie. Voilà. Et là, tu kiffes. Yes. Salut les amis, c'est Baba Bear. Je suis dans la forêt, je me balade dans les bois. Et un truc que j'aime par-dessus tout faire, c'est travailler un petit peu, nettoyer entre guillemets avec un grand N, les bouts de bois, les branches qui tombent, je démêle un petit peu certaines plantes, j'arrive à enlever, je taille, je traficote en fait la forêt pour qu'il y ait des passages en fait, pour créer des passages, des zones, etc. pour ensuite ouvrir pour des zones de culture de champignons. Donc je suis là, je suis en train de jardiner la forêt qui n'est pas une forêt fruitière, enfin il y a d'autres fruits, etc. mais c'est pas du tout ça, c'est sauvage. Donc je suis là, je vois des fois les ronces, justement je les fais grimper d'une certaine façon, j'aide, je regarde, je refais des boutures, là il y a plein de consoudes, il y a plein de choses. Donc t'es là dans la forêt tout seul, enfin avec ton chien et avec tous les êtres de l'univers qui sont là, et tu fais ça. Moi c'est des heures et des heures de boulot que je fais, j'adore. Ah c'est bon de se sentir libre à faire ça. Donc voilà, ben, je t'encourage à aller toi aussi jouer avec, tu vois, les branches comme ça qui se cassent, je les casse en plus petits et je les rebalance où elles vont bien se décomposer pour le sol, au lieu que directement sur les chemins. Comme ça donne encore plus de nourriture à tout le monde. Voilà voilà, vive la vie. Tiens, sur la mousse, tu veux finir? Salut les amis, c'est Baba Bear, Mamaya et Mycelium et Naka Bear. Regarde, tu vois tout ça, toutes ces fenêtres, ces portes vitrées, c'est que des doubles vitrages. Tout ça, on a eu ça gratuitement en fait, c'est un très bon plan pour toi. Et là, on aide tous, c'est quand même lourd, c'est beaucoup de boulot, donc heureusement que Mycelium elle nous aide aussi. Tiens, regarde, on lui a fait des sourcils hier, ouais, on s'est maquillé. Ça, en fait, tu vas pouvoir l'utiliser pour tes vérandas, pour des cabanes, pour ta serre, pour plein d'autres trucs, pour tes carters, ce que tu veux. Oui, maman. Ouais, on a tout attaché là-bas. Ils se sont mis derrière ensuite pour nous aider. Et donc tout ça, en fait, c'est gratuit. C'est par exemple quand tu vas à Triba, tu connais Triba, T-R-Y-B-A, s'il y a une compagnie Triba à côté de chez toi, ils le jettent souvent, ça, quand ils vont remplacer leur truc. Tout ça, ils n'ont rien à en faire, ils vont le casser, ils vont le détruire. Donc il y a plein, même si tu regardes sur le Bon Coin, il y en a plein des gratuits, tout des pas chers. Mais chez Triba, de sûr, ils te donnent ça gratuitement. Donc tu viens, tu leur dis, et tout le temps. Donc nous, on récupère. Et là, il y a des centaines d'euros à chaque fois qu'on économise comme ça. De fenêtres pour construire nos trucs comme ça. Donc voilà le bon plan, là tu viens de sauver des centaines d'euros et puis tu vas te faire des belles serres et on te montre ce que nous on fait avec. Allez, ciao. Et puis là, t'as une patate, tu dis, voilà, ouais, germé, ça y est, c'est le moment de lui trouver un petit endroit. Alors on l'emmène. Salut les amis, c'est Baba Bear. L'avantage de la campagne, c'est que tu peux faire du surf de voiture sans qu'il y ait de problème. Yeah. Wow, salut les amis, c'est Baba Bear. Super trouvaille. Je suis près d'un chêne dans la campagne. Et là, il y a un trou. Et qu'est-ce que je regarde? Je vois plein de golans qui ont été craqués, etc. mangés. Donc sûrement par un rongeur, peut-être un écureuil ou un, je sais pas quoi, un mulot, machin. Bref, dans le trou. Et là, en fait, si je gratte dedans, ouais, je regarde, c'est un super compost. C'est un truc vraiment génial dedans. Déjà inoculé de plein de champignons. C'est toi qui filme. Vas-y, c'est toi qui filme. Hop. Déjà super inoculé de plein de champignons. Magnifique. Ça sent bon, donc ça tu pourrais prendre comme inoculum pour tes champignons, yes, pour ton compost. Ouais, tu me filmes moi le visage? Coucou, coucou. Donc voilà, et ben voilà, donc c'était superbe. Si tu as envie de trouver des trucs comme ça, viens prendre une petite échantillon. Et tous les animaux sont aussi là pour t'aider justement à faire tes meilleurs composts et faire des très belles choses avec ça. Et remercie quoi. Et puis tu vois que c'est des petits, enfin c'est parfait. Et dedans il y a une microbiologie qui se développe, c'est incroyable quoi. Enfin magnifique. Merci Lard, merci tout le monde, merci tous les collaborateurs. T'as déjà fini sur ce tronc? 1, 2, 3.